Hey, salut tout le monde, c'est Tekilaz et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Need for Speed Underground 2. Donc, bah comme d'habitude les gars, on va se faire des petites courses, tranquillement, je regarde vite fait ce qu'il nous reste à faire. Donc, alors on a une course de drift en bas à gauche de la map que je n'avais pas vue. D'accord, on a une course CCU, on a une épreuve spéciale. Faudra qu'on aille vers la droite de la montagne pour finir les courses, tout ça, d'accord. Ouais, il nous reste pas mal de trucs quand même, hein. Bon, on va directement commencer par la petite course de Street X, you know. Let's go. Alors, merde, je me suis trompé de bouton. C'est des choses qui arrivent, enfin. Hop. Alors, petit message de John. Objet Street X sponsorisé. Eh mec, celle-là, c'est pour liquider une de tes obligations envers les sponsors. Ils ont envoyé du monde ici pour voir comment tu t'en sors. Alors, foire pas. Si on gagne, on touche. Ok, mec. Y'a pas de soucis, mec. Ouh, les nanas. Bon, ça va, ils ont pas des super bons véhicules non plus. Peut-être l'Infinity qui va faire un peu chier, mais sinon, bon, ça va. Ah, voilà, bon démarrage. Putain, le bagnole là. Hop. Je vais qu'ils brouillent les deux. Hop, au moins sur toi, comme ça, je perds pas de vitesse. Dégage, ouais. Ah, l'enflure. Moi, je repars avant eux. Voilà, j'ai pas fait le con. Jouez intelligemment, les gars. Jouez intelligemment. Genre pas comme ça quoi, évitez ça. Non, tu me passeras pas mon grand. Ah, je pensais pas qu'il serait autant serré, putain. Ah, la boulette. Il manque à 4 tours. Hein. Dégage toi, dégage. Fais pas le pignouf avec moi. C'est par qui je suis, tu me connais pas. J'ai mis du 13. Aïe. Hop. Virage serré. Oh là 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 là. Ça s'est bourriné derrière, dis donc. Oh là, ouais, voilà. Je regarde derrière, je fais de la merde. Nope, tu passeras pas. Tu passeras pas. Tu passeras pas. Dégage, hein. Tu me connais pas, mon gars, je t'ai dit. C'est pas qui je suis, moi. T'es qui pute. La biatch. T'es qui biatch. C'était qui pute, t'as vu. Ouh là là là, il me colle un peu trop près lui hein. J'aime pas trop ça. Lolololol. Meilleur temps autour, yes. Je fais du caca là, il me rattrape comme il veut le machin. Non, non. Comment tu prends l'intérieur aussi bien toi là? Je vais te défoncer là. C'est pas qui je suis mon gars, c'est pas qui je suis. Yeah. Évidemment, il repart très bien lui. Ah, comme que non, il s'est bouffé un peu de mur. Nickel. Ouais, je brûle les liages, ça c'est pas bien. Blablabla. Bla, bla, bla. C'est Washtek, mon gars, derrière. Faut pas faire le malin avec lui. Faut le défoncer. Ah, il s'est merdé. Il s'est merdé, Washtek. Eh, voilà, je suis peinard. C'est bon, j'ai gagné. À moins que je fasse le con. Hein, à moins que je fasse le con, voilà. Hop, je change un petit peu de vue, le capot, you know. Ok, j'ai 5 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Ok, oh, Washtek il est plus derrière, pas leur Washtek. Évidemment, il pleut quand tu veux pas. Hop, on prend ça tout poil comme il faut. Voilà, on va faire un très bon temps autour là, je crois. Hop, le virage comme il faut à la fin. Hop là, 42 secondes 70, je dirais. Comme ça. Est-ce que je pourrais avoir mon temps, s'il vous plaît? Meilleur temps, 42,98. Ok, j'ai. Non? Bon, c'est quand même ce que je voulais, voilà, c'est très bien. Yes, overwrite. Overwrite. Vitre teintée, oui, c'est gentil tout ça, mais moi j'aimerais bien débloquer une skyline si possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Course de drague, une course spéciale, une épreuve spéciale et tout. Bon bah écoutez, petite téléportation, petite ellipse, à tout de suite. Donc, nous voici donc vers l'épreuve spéciale. On a du drague juste avant, on va peut-être faire la course de drague et puis après celle-là.
Sachant qu'avec celle-là, on va devoir aller autre part, à mon avis. Ouais, on va d'abord faire celle-là, allez. Hop. Donc, oh, c'est Kirby qui nous fait un petit message. Eh, frangin, t'es un corps des grands maintenant. J'espère que t'as ce qu'il faut parce qu'on n'est pas du genre à rigoler ici, hein. Attention. Oh là là, le monsieur il me cherche, hein. C'est pas très gentil tout ça. Y a un petit souci, je me rappelle plus comment on passe les vitesses. Ok. Respiration du monsieur. Ah mais j'étais sur régime du coup. Ah oui, c'est le problème. Je peux pas faire les courses de drague à cause de ça, j'avais oublié. Ça attendra les courses de drague, c'est dommage, ça attendra. C'est dommage. Quoique, au pire. Ah je sais pas. Non, ça attendra les courses de drague, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivaient. Je vous le dis, c'est dommage. On n'a pas tous la chance d'avoir une course de drague qui marche quoi. Hop. Yo mec, le type commence à s'impatienter. La soirée n'a pas semblé lui plaire. Il a envie de se tirer. Je lui tiens la jambe et je te conseille d'être là dans moins de 2 minutes 50. Let's go. Il est là. Hop. Let's go. Ah ouais, 2 minutes 50, ça va être chaud pour faire tout ça, surtout dans les montagnes. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud, oui, bon. Chose qui arrive, hein, c'est pas grave. Je devrais y arriver. La vue de la ville d'ici est juste magnifique. Bon, c'est pixelisé, d'accord, mais voilà, c'est un beau plan, c'est ça que je veux dire. Ça a de la gueule quand même. Hop, excuse-moi, toi. Alors, le camion. Oh, il reste 2 minutes pour y aller, ça devrait être bon, faites voir. Waouh, ça devrait être bon. Si je me tape pas tous les véhicules de trafic, ça devrait être bon. Hein, n'est-ce pas? Hop, tranquille. Bonne mer. Putain, ce virage, il est serré. Oh putain, et des virages, je les oublie totalement. Des virages, je me dis, ouais, ça passe tranquille derrière. Non, ça passe pas tranquille du tout. Hop, petit virage à gauche des familles, tranquille. Hop, hop, hop. On se paye les murs parce qu'on n'est pas doué. À gauche là? Ok, à gauche. Oh, pourquoi ils mettent des murs partout dans cette ville? Hop là, attention. Ouais, oh, heureusement j'ai pas pris le raccourci en face à moi, le ralenti à moi. C'est un raccourci vicieux celui-là parce qu'il te ralentit en fait. Parce que je... Le trafic, pourquoi? Pourquoi m'emmerder comme ça? Oh putain, merde, merde, 2 minutes. Allez, allez, hop, 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 on se dépêche là, la petite bagnole là. Allez, la 246, hop, hop, hop. Il y a le temps, j'aurais même le temps de me faire un petit café, tu vois. Ne s'inquiétez pour rien. Ah, c'était là, purée. Hop, 3-6. On revient. S'il vous plaît. Voilà. Je suis là. Ah, quand même. Piloter voiture. Hop. Ouais, je me suis concentré pour faire une photo classe, you know. Bam, prendre photo. Yeah, c'est de la classe, ça ma gueule, t'as vu. Non, en fait, non, c'est de la merde, mais bon, j'accepte. Hein. Pas trop le choix. Ouh, je me suis fait de la thune. Alors, est-ce que, s'il vous plaît, je pourrais avoir la skyline. Hein, genre, après cette course, ce serait bien. Genre, super cool. Est-ce qu'on ferait pas d'abord les courses CCU, du coup? Parce que je pense que c'est ça, en fait, qui... Ah oui, c'est ça normalement qui me débloque les véhicules. C'est les courses CCU. Eh oui. Eh oui, messieurs, dames, eh oui. C'est ça qui me débloque, je crois. Bah du coup, les gars,
Je vais me téléporter vers la cour CCU, vers les croix spéciales. Et puis, on se dit à tout de suite. Petite ellipse. On va se faire la petite course. C'est parti. Oui, tu petite course sur la droite. Je vais t'avoir. Non, non, ça c'est le mur que j'ai eu en fait, non. Pas le mur. Alors, message de Matayo. Bonjour Matayo. La course CCU, c'est le top. Seuls les meilleurs sont invités sur les circuits ici. Seul le talent compte et personne ne gagne par hasard. Eh ben, c'est ce qu'on va voir, ok. Let's go. Non, pas let's go. Si, let's go. Bon, jour difficile, ça risque d'être chaud. La petite Corolla. Oula, tu vas un peu vite, Ryan, là. Tu vas un peu vite, selon moi. Il m'a poussé. What? Mais comment il va aussi vite, lui? Vous allez un petit peu vite pour moi, les gens. Excuse-moi, j'aimerais bien te dépasser, toi. Putain, mais... Ah non, non, non. Non, non, je vais pas me faire brouiller, moi. Je sais pas, non, je veux pas. Ça me tente pas trop ça, tu vois, le bourrinage, tout ça, non? Pas trop mon kiff. Je déconne, bâtard. Hop là, bonne soirée. Ah, je peux pas m'empêcher de bourriner sur un jeu de voiture, c'est impossible pour moi. Je suis obligé de bourriner, que ce soit GTA, que ce soit Need for Speed, Forza. Quoique non, Forza, je bourrinais jamais en course, quasiment, je me rappelle. Eh non, Forza, je bourrine quasiment pas. Parce que c'est vrai que la physique de Forza pour bourriner est pas terrible, quoi. Très mal pris ce virage. Très très mal pris. Non, tu entends sur la gauche là, tu vas pas me dépasser. Ouais, t'es très proche de moi, petit con là. Faut que je mette un petit peu de boost histoire de leur échapper à un moment, mais je sais pas quand. Mais c'est pas quand du tout, ça le problème. Aïe 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 aïe. Une petite ligne droite, ce serait sympa si possible. Oh, j'en demande trop là, c'est une course CCU. Ouais, bah vers la ligne d'arrivée, je mettrai du boost. C'est à dire mettre une petite pâtée. Hop. Après ce virage. C'est la quatrième. C'est bon, ça passe. Que je vais faire? Yes, c'est passé. Nickel, je peux garder ma vitesse un petit peu. Le problème là, c'est qu'ils m'ont attrapé. What? Comment il a fait? La machine est passée une vitesse. Bon, d'accord, ok. On va faire gaffe. Non, me dites pas que Matayo il est revenu, j'avais bourriné ce bâtard. Non, 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 non. Pas vrai. C'est pas possible. Celui que j'ai envoyé dans le décor au début là-haut. Il est pas pour un con, il est pas si rapide que ça quand même. Putain, si. Je crois que c'est lui, j'ai mis les néons verts. Mmh, bordel de merde, de coups de merde. Gardez-moi ça, la vitesse à laquelle ils vont. Non, 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 attends, 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 tu me laisses passer devant. Non, 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 non. Hey, mec, fais pas le con. Regardez-moi ça! Non, 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 ça va pas le faire, mec! Non, 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 non! Regardez comment il prend les virages! C'est pas. Non, 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 c'est techniquement pas possible! Faut que le boost sur la fin il me sauve! Eh, toi, non, 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 non! Non! Non, je passe devant! Matayo! Yes! Yes! Bouffe-moi ça, Matayo! Putain! 10 centièmes près! Putain, je l'aurais pas bourriné au début, je sais pas, mais il m'aurait démoli le mec, hein! Putain, j'ai chaud, coucou Niette!
Mais du boost au démarrage, c'est pas bon ça. Ah, pousse-moi toi s'il te plaît. Nickel. Faites en sorte que ma taille me dépasse pas s'il vous plaît les gars. Je compte sur vous. Ah ouais, mais non, si tu me dépasses comme ça en plein virage avec ta Celica, toi, non, ça va pas le faire. Non, non, mais toi, mais... La putain de toi, voilà, retourne-toi, enculé. Retourne-toi. Putain de machin, ouais. Il a voulu m'empêcher de prendre le virage. Et il y a Matayo derrière, super, je dois le bourriner. Matayo, tout au calme. Matayo. Matayo. Tout au calme, Matayo. Ah, je vais pas prendre le virage mieux que ça, hein. C'est pas possible. Je sais pas, non. C'est clairement pas possible, je sais pas comment ils font pour le prendre, c'est... Bon ok, c'est les bots donc, ils sont un petit peu cheatés à ce niveau-là pour les virages, ils relancent pas forcément. Eh, faut arrêter les conneries quand même, hein. Attendez, eh. Le monsieur va pas aussi vite normalement, hein. C'est une Corolla. Une 86, bonhomme. Passe la cinquième. Voilà, bonhomme, c'est ça qu'on veut. On veut 2 secondes d'avance. Un peu là. Ils me rattrapent. Ils vont trop vite les machins, je sais pas comment ils font. Hop là, je leur mets une pâtée, ils vont m'attraper je sais pas comment dans un virage. Je regarde le temps en même temps, là, je me concentre, 3 secondes. Regardez là, ils vont trop vite. Comment ils font? Ils ont l'accélération d'un coup les machins. C'est abusé. Je prends pas trop mal les virages non plus. Regarde! Machin, j'étais à 3 secondes d'avance et là, ils ont récupéré 2 secondes sur un virage. Oh là 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 là. C'est pas normal. Heureusement, je récupère les secondes après, mais voilà quoi, c'est chaud quand même. Même là, ils vont plus vite que moi alors que, je sais pas, je suis stable, 180 degrés, 180 de vitesse et tout. Je sais pas ce qu'il faut, hein. Ouais, non, 2-3 seulement. J'ai mis du boost et tout, le machin, il va aussi vite que moi, mais... Mais mec, t'as quoi dans le moteur, là? Un V8, ou comment ça se passe, là? Gardez-moi ça, les machins, ils vont trop vite! Heureusement que là, je leur mets une pâtée, parce que sinon, je sais pas comment je ferais. Et là, ils vont m'attraper dans 2-3 virages, là, 2,29, là, ils sont à 2,25. Et regardez là. La vitesse qu'ils prennent d'un coup. The fuck, quoi. Non, je comprends rien. Et là, ils vont m'attraper, ils vont mettre une seconde. Hop là, 0,77. Sérieux, mais ils sortent d'où ces machins là? C'est pas humain. Hop là, ils vont m'attraper dans le virage aussi. Ah non, pas trop, ça va. Hop là, je remonte à 2 secondes difficilement. Et là, ils vont prendre la même vitesse que moi. Ah non, je suis perdu. Moi, c'est aléatoire en fait, j'ai rien dit. Je pensais qu'il y avait des passages précisément où vous pouvez prendre la vitesse tout ça, mais... J'ai fait la connerie d'utiliser tout mon boost. Grosse connerie. Grosse connerie, Tequilaz. Si tu te rattrapes, t'es dans la merde. Et oui, mon pignouf. Hop là. Là, ils m'ont rattrapé. Voilà, comme d'habitude. Techniquement, j'ai gagné si je fais pas de conneries, hein. Normalement. Putain, il me rattrape. Oh putain. Les salauds. Oh putain, what the fuck, une 80, allez vas-y. 0,50, allez, hey, il on fire le machin, putain, une seconde. Moins d'une seconde, ok. On va éviter de faire les cons. Il ne doit pas me rattraper, non. S'il te plaît, mec. Hein, on est copains, tout ça, hein. Les copains d'avant, eh ouais, c'était moi, mec. Eh ouais. Donc, s'il te plaît, tu restes derrière, voilà, tu me laisses gagner. Hein, tu vas te faire foutre, entre guillemets. Voilà, t'as été te faire foutre, c'est sympa. Très gentil de ta part. Super, super gars, voilà, je t'adore. Bon, on a win. Est-ce qu'on a le droit à des véhicules maintenant, s'il vous plaît? Allez, SVP, ouais. Yes, nouvelle voiture de la concession. J'avais raison. Elle est où la concession? Ah, là-bas. Bon, du coup, on se retrouve à la concession, les gars. À tout de suite, petite ellipse.
Hop, on est à la concession les gars, on rentre. On croise les doigts, on espère avoir la skyline. Allez, la skyline. Ah, y a pas la skyline pour l'instant. Bon, y a la Supra. Est-ce que je me prends la Supra? Allez, je me prends la Supra. J'adore la Supra, je me la prends. Allez, allez. Allez, pour le plaisir. Yes. Ah, yes, les gars. Petite Supra, tranquille. Ah, ça change du véhicule qu'on avait avant. Du coup, on va aller se faire plaisir. On va aller vers l'atelier de performance. Hop, activer le GPS. On peut se balader là, pas besoin de se téléporter. Oh, ce bruit moteur, yes. Oh là là, ça avance déjà pas mal, c'est bien. Elle est de série, hein. Ça fait plaisir. Oui, la Supra, yes. Elle a de la gueule. Après, j'irai la tuner vite fait. Et on sera une petite course de drague pour la tester. C'est par là, j'ai oublié. Hop là. Nickel. Oui, je veux rentrer s'il te plaît. Yes. Hop. HKS, toujours HKS, si possible. Hop. Ensuite, la puce. Ouh, la vitesse max, elle augmente. Ouh, lolololololol. Oh, on peut avoir un pack pro. Est-ce qu'on se serait pas tenté par un petit pack pro? Allez, on se laisse tenter. Hop. Ah oui, mais j'ai pas installé celle-là, donc faut que j'installe celle-là aussi. Eh oui, j'ai oublié. Ah oui, ça installe ça et ça en plus. Eh oui. Hop. DC. Et HKS. La nitro, très important la nitro. Nos, la base. Le turbo. Très important le turbo. Oh, elle va être rapide la bagnole. Elle va être rapide. Là les gars, on va commencer à avoir un bon véhicule là. Ça c'est bon. Hop. Frein. Let's go. Oh, c'est pas le plus important pour moi. Bon, elle est que du Willwood hein. Petit plaisir. Et les pneumatiques, les yoke arms. Hop. Tout est installé. On va passer au tuning. Du véhicule, on va le modifier. Alors, affinité paramètres pour ce mode de circuit, non. Full drift. On va voir déjà. Alors. Ok. Donc, 0 à 64 secondes 82, 0 à 111 secondes. Oh, 304 vitesse max, c'est bien ça. Allez, bon, on affine nos paramètres. Je préfère l'accélération perso que la vitesse max. C'est un choix. On va mettre ça comme ça. Hop, l'aérodynamique on peut pas. Les pneus. Répartition de freinage, on va plus le mettre à l'arrière. Hop, adhérence. Ah, on peut choisir l'adhérence arrière. Hop. On va la mettre en mode drift, tiens, pour le kiff. Parfait, la puce. Your electronic control unit regulates air and fuel mixtures to your engine timing. Remapping the ECU gives you the ability. C'est comme ça, je connais pas trop le turbo. Turbo slam more air into your engine. More air equals more power. So get crazy and adjust the power at each RPM. Je sais pas du tout comment ça marche ce truc, je vais laisser comme ça. Et trop plus tôt sur la durée que la puissance. Ouais. On va faire comme ça, on va laisser. Je suis pas trop test, on va dire. Hein. Je suis pas très doué. Ah, mais j'ai modifié pour le drift ça. Course CCU, faut que je modifie aussi pour les courses CCU. Oh les lolololololol. Hop. Pneu pour les courses CCU. Ah, c'est pour ça que pendant le drift, la dernière fois, j'arrivais pas à drifter, peut-être, c'est peut-être pour ça. Hop. Hop, on baisse légèrement. Turbo, on va augmenter légèrement. Là, là, c'est égal à peu près. Voilà, la nitro, pareil, durée.
Nickel. Quitter tuning. Attendez. Sauvegarder ce profil. Oui. Hop, et on quitte. Perfecto. Muy bien. C'est parfait. Boum, re les gars, j'ai eu un petit souci. Bon, c'est mon jeu qui est encore bugué comme la dernière fois, je sais pas pourquoi. C'est des choses qui arrivent. Donc, vite fait, pour finir cet épisode du Let's Play, nous allons aller faire la course de drague qui est là-bas. Hop, activer le GPS. On va y aller comme ça en free roam, tranquille, on va tester le véhicule vite fait. Alors, à droite, ok. Oh, le bruit moteur du véhicule est juste excellent quand même. Hein. Oh là 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 là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Un petit coup de boost pour voir. Oh là 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 là. Il va me plaire beaucoup ce véhicule. De toute façon, j'ai la Supra, voilà, donc prochainement j'aurai la Skyline, mais la Supra me fait extrêmement plaisir, c'est un des véhicules que j'adore le plus niveau japonaise. Le bruit moteur de la Supra, la gueule qu'elle a, oh là là, super. Elle est parfaite, on va pas se mentir, elle est super. On va peut-être que je la tune par contre. Bah après la course de Dragster, j'irai la tuner vite fait. Rien que pour vous, rien que pour vous les gars, rien que pour vous. Ouais, je sais, je suis quelqu'un de bien moi. Allez. Bon, du coup, c'est une petite course de drague là, tranquille. J'espère que le moteur va pas péter. Hein. Je viens de penser qu'avec mon truc pour me téléporter, je peux également me mettre la Skyline, mais je ne le ferai pas. Hein, j'attendrai de la débloquer. Même si j'ai très très envie de la voir, c'est pas grave, j'attendrai. C'est pas très grave. Hop, on va faire la petite course. Hop, oulalalala. Donc, message de Jen. Hey mec, ça va chauffer dans le coin. Si tu te sens à la hauteur, avance vers la ligne de départ. Eh bah écoute, meuf, je suis chaud là. Je suis on fire, chaud patate. Chaud cacahuète même. Allez les gars. Je laisse passer devant. Oh, c'était très chaud ça. Oh, dommage, j'avais pas vu la ligne d'arrivée. Oh, non. Non. Non, 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 non. Non, deg. Oh, je la refais, non, je suis deg. J'étais gourmand. Respiration, je prends le boost. Ouh, le moteur il a failli péter. C'était limite. C'était limite. C'était très limite. Ah, j'adore les courses de Dragster quand ça se passe comme ça. Alors, vitesse max 293,6, vitesse moyenne 200, j'arrondis, ouais, j'aurais mis une bonne pâtée sur la fin, quoi, en fait. Hein. Et l'autre voiture HS, fallait passer la vitesse, mec, hein. Fallait passer la vitesse. Bon, retour en mode exploration, voilà, nickel. Ah, ça fait plaisir, cette course comme ça. Ah, j'ai débloqué le nouveau néon. Bon, bah écoutez, les gars. On va se téléporter vite fait à l'atelier et moi je vous dis à tout de suite. Donc nous revoilà au Body Kit Shop, à l'atelier de Steel. Allez, on va tuner ce petit véhicule. Oh la vache, la gueule que t'as, t'es dégueulasse comme ça. Hop, on va faire un petit tuning simple, pas trop jacky. On va essayer de faire un beau véhicule cette fois, pas comme l'autre. Oh mon dieu. Hop. Enfin un truc simple, ouais, j'aime bien le simple moi. Hop. On va essayer de garder un petit peu l'aspect de base du véhicule, on va pas trop le modifier. J'hésite là.
Celui-là me plaît bien. Celui-là aussi me plaît bien. Mais celui de base reste quand même bien aussi, quoi. Voilà, on met celui-là. Le capot maintenant. Je pense que je vais prendre le Formula Stall, je vais voir s'il est pas en carbone. Non, il est pas en carbone. Ah putain. Oh, il y a celui-là au pire qui est bien. Hop. Prise d'artois. Ah, j'aime pas les prises d'artois sur le jeu, non. Pas de prise d'artois. Un phare avant qui ressemble un petit peu de. Que ce soit pas trop dégueulasse si possible. On prend le voltage, il a l'air pas mal. Ouais, le voltage. Phare arrière maintenant. On va pas prendre un truc trop dégueulasse non plus, je pense. Oh là 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 là. Oh là là. On prend le crimson. Notre viseur latéral. On prend le wind. Échappement, on va prendre un truc qui fait du bruit, donc le ace. Les jantes, s'il vous plaît, pas de Jackie. Hop. Hop, nickel. Fibre carbone. Ah voilà, cap en fibre carbone, voilà, bah au pire. Ah mais y'a que de la merde en fibre carbone pour l'instant. Dommage. Hop. Ah y'a pas encore les kits larges, dommage. Bon, c'est pas grave. Hop. Voyons voir ce que ça donne déjà dehors. C'est pas si mal. Ça rend bien, ça rend bien. Ok, maintenant on va passer vite fait à la peinture au Vineretto. C'est parti, à tout la suite. Boum. Donc on se retrouve après une petite téléportation. Hop, vers... Non, c'est celui-là où je suis con. Hop là. Bienvenue dans la télépeinture de la chaîne. Tu as dévoré une nouvelle peinture, de nouveaux emplacements, vas-y, fais une nouvelle ville. Ah bah voilà. Ah, c'est-à-dire que si je vais à celui à côté, là, je débloque un nouveau truc, du coup. Tu vois? Tu as débloqué un nouveau pare-choc. Eh ben, on ira refaire un tour après, c'est pas grave. Je me rappelais plus qu'on débloquait comme ça. On ira faire un tour après. Allez, c'est parti. Modification du véhicule. Peinture, peinture simple. Alors, qu'est-ce qu'on a comme peinture de débloquer, du coup? On va la laquer, la métalliser. Tu vas voir un petit peu tout ce qu'on a. Oh, le bleu ciel, elle rend bien, je trouve. Un bleu comme ça aussi, d'ailleurs. Le bleu me plaît bien. Tu vas voir un laquer. Oh, il y a une rampe en laquer. On va faire métalliser, tiens. Prendre ce bleu là ou celui-là. Ils se ressemblent pas mal les deux, j'ai envie de dire. Hein. Hop. Prends celui-là. Les jantes. On va les mettre de quelle couleur? Parce qu'il y a blanc. Ok. Ça va être noir, je pense. Hein. Ça rend bien en noir, ça rend bien. Les freins. Oh, on va pas les mettre en. Ouais, on va les mettre en bleu. Hop, on va mettre en bleu. Merde. Les pièces moteur. Les pièces moteur, on peut pas. La pot d'échappement. On va le mettre en noir. Hop, les vinyles. Est-ce qu'il y aura des petits trucs sympas niveau vinyle, si possible? Ah, capot. J'avais l'habitude de mettre des crânes, je me rappelle quand j'étais plus jeune. J'aimerais bien voir en fait la gueule de ce truc, mais. Je vais voir celui-là. Bon, en fait, l'autre passait mieux, le 3. Le dernier 3, hop. Hop, tac, parfait. Ensuite, peut-être qu'on pourra ajouter un truc du coup au centre. Un truc bien, qui fasse pas trop de place.
Je vais voir ça, ça passe bien. Ouais, ça passe bien, ça passe bien. Ensuite, occasion, c'est quoi ça? Ah ouais, il faut prendre ça, pas HKS, c'est vrai, pas HKS, c'est possible. HKS ou un qui rend bien de préférence, mais. Ah, j'ai ready, il passe bien, je trouve. HKS, c'est trop simple. On se trouve un sponsor, les gars. Yokohama, parfait. Hop, carrosserie, fais voir. Ah ouais, mais non. Ah non, non, non. Oula. Nope. Nope, nope, nope. Ah mais non, ça va gâcher le Yokohama après. Compétition. Ça nique tout après, oh là là. Il y en a des jolis, hein. Il y en a des jolis, je vais pas vous mentir, mais ça nique tout, quoi. Et tout le reste. Tout fast for you. Et sponsor. Bon, bah on va laisser comme ça, je crois, pour l'instant. Peut-être si on peut rajouter un petit truc ici. Peut-être dans Ensemble Lightning. Non, ça ferait trop. Non, on va pas faire trop Jackie. Hop. On descend tout en bas. Couleur adhésif. Hop, on va le mettre noir. Je crois que c'est bien Yokohama que j'ai mis sur le... pour les vinyles. C'est Yokohama, mais d'accord. Hop, adhésif, on va mettre vitre arrière aussi. Yokohama! S'il te plaît! Oh putain, Yokohama, t'es où? Hop là. Parfait. On va éviter d'en mettre sur les portières et tout, parce qu'il y a déjà le truc. On achète la config. Bam! Oui, je vais quitter. Bim! Est-ce qu'on pourrait avoir le véhicule, s'il vous plaît? Ouh, petit tuning des familles. Ok, alors j'ai débloqué des nouveaux pare-chocs et tout, apparemment. Je vais aller voir vite fait. Oh, yes! Oh, dommage, il y en a, ils sont trop, je trouve. Donc je suis là de base. Le Renegade me plaît bien. Top. Je les mets principalement parce qu'il faut que je les mette pour augmenter mon esthétique et avoir plus de thunes auprès. Donc, on prend le Renegade. On reprend le Renegade, du coup ça vient avec. Hein. Pas de nouveau. Peut-être des nouveaux carbone, non? Auparavant, il n'y a pas de nouveaux? Si, il y a de nouveaux. Non, il n'y a pas de nouveaux, j'ai rien dit. Max fat, pour bout d'échappement, il n'y a pas de nouveaux. Jante, non, fibre carbone, peut-être, du coup. Ah merde, à cause des vignes, je peux pas. Pas très grave, tant pis. Hop, véhicule tuné, c'est parfait, voilà. Nickel! Bon bah voilà les gars, du coup j'espère que cet épisode du Let's Play vous aura plu, donc si vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter et même à partager la vidéo, ça me fait super plaisir, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde!